raconter le coup de cœur de Lucy, la série The Night Of. Naz, étudiant américain d'origine pakistanaise, se rend à une fête en empruntant le taxi de son père. Sur le trajet, il rencontre une jeune femme qu'il conduit chez elle et avec qui il passe la nuit. Lorsqu'il se réveille le lendemain, il découvre son corps poignardé. Paniqué et sans souvenir de la nuit passée, Naz s'enfuit. Arrêté peu après pour une infraction routière, la police découvre sur lui un couteau ensanglanté. What am I not seeing? Explain to me what I'm not understanding. It looks like I killed her, I know that. That's how it looks. But it's not that simple, is it? I want to tell you something, and it's the most important thing you'll ever hear in your entire life. Don't talk to anybody anymore. Shut it. Dans l'attente de son procès, Naz est envoyé à la prison de Rikers Island, tandis que sa défense est assurée par John Stone, avocat désabusé, plus habitué à défendre les accusés de petits délits que d'homicides. Dépassant le cadre de la simple série policière, The Night Of est avant tout une plongée fascinante dans la société américaine post-11 septembre, gangrénée par le doute et les préjugés. Au fil des épisodes, trois parcours se mêlent. Naz, qui tente de survivre à un monde carcéral qui broie les individus et leur refuse toute rédemption. Sa famille, démunie en proie aux récupérations politiques et constamment rappelée à son statut d'immigré. Et son avocat, qui se débat dans un système judiciaire inégal où les notions de présomption d'innocence et de vérité sont mises à mal. Ni héros ni méchants dans cette histoire. Seulement des personnages empêtrés dans leurs faiblesses et leurs contradictions, merveilleusement servis par un casting impeccable. Une série qui, par sa complexité et sa peinture sans compromis d'une société à la dérive, se situe dans la droite ligne d'une autre série HBO, The Wire. Vous pouvez retrouver la série en DVD à la vidéothèque de la BU. Alors, bonnes vacances et bon visionnage !